Salut tout le monde, on se retrouve donc sur la partie 2 du test de la démo de My Time at Sandbox. J'étais pas sûre de pouvoir faire une partie 2 parce que je vous avais fait un épisode assez long. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une autre, un petit peu, de voir un petit peu plus de cette démo. Donc on y va. Ok, donc on avait le Krantnift. I'm starting a film. Ok, c'est vrai que le jeu n'est pas en français, j'ai dormi depuis, donc j'avais oublié. Ok, donc Burgess, bonjour, nouveau builder, nouveau constructeur. C'est super que tu sois ici, dans le désert. Je suis Burgess, le chef inspecteur de recherche de Sandrock. Bon, je vais pas tout traduire, hein, on va avancer. Donc il m'a donné de l'eau qui est une denrée assez rare, donc il va falloir faire attention. Alors, dans notre, au niveau de notre atelier, en fait, il nous recommande, quand on aura des plantations autour de notre atelier, de plutôt les arroser le matin. Ou juste d'aller aux alentours de la tour de l'eau. Pour chercher des oasis. Alors, je suis presque sûre que tu n'as pas que tu ne vas pas courir après de l'eau. C'est pourquoi il faudra en prévoir pour le futur. Alors, il me demande d'aller voir la tour de l'eau. Ok. Alors, j'aimerais bien que ça arrête de courir tout seul. J'ai des mails, c'est vrai, tous les matins. On avait lancé du metal scrap pour faire le crâne lift. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une importante annonce. Ce soir à 19h dans le centre-ville. Ok. Et là, Owen. J'espère que tu vas bien. Je suis sûre que tu as des questions pour moi. Je peux te parler de cela. Oh, elle se trouve au Moon Saloon, au Blue Moon Saloon. Ok. Il se trouve, c'est Owen. Ok. Hop. Bon, ça fait plusieurs choses à faire. Écoutez, on va peut-être aller voir l'autre au Moon Saloon. Je recherchais mes touches, effectivement. Alors, le Moon Saloon, il est là. Elle m'a pas donné d'œuf, par contre. Je pense pas. Ou alors, j'ai pas vu. Alors. Qui c'était qui voulait me parler? Je ne sais pas. Owen. Hey, tu es sûrement le nouveau constructeur. Je suis ravie de te connaître. Je suis Owen. Je cours dans le Blue Moon Saloon.
As-tu faim? Alors, I know you can work up quite an appetite after spending the rain trap by any time. Il me demande si j'ai faim, sûrement qu'après tout ce que j'ai à faire. Il est charmant, jeune homme. Après tout ce que je fais, je dois être sûrement affamée. Il m'a donné un truc. Ok. Hugo. Tu es le nouveau budeur de la ville. On a découvert Hugo. Ou quelqu'un d'autre. C'est très bien. Vous êtes donc deux. Il y a Mian et toi. Tu dois être Shirel. L'autre budeur. Non, je suis pas très ravie que tu sois là, je suis Hugo. Le forgeron de la ville. Si tu as besoin de construire du matériel ou de level up tes machines ou autres, armes, etc. Il est celui qu'il faudra qu'on trouve puisque c'est le meilleur d'après ce qu'il dit. Ok. Alors, il y a Grace qui est ici. Alors, on a fait la connaissance de Grace. Alors, c'est celle qui vend la nourriture dans la ville. Ok. Je crois qu'on y avait déjà parlé dans l'épisode précédent. On va regarder un petit peu ce qui se vend ici dans le Moon Saloon. Je pense que c'est beaucoup de nourriture. Hein. Alors, on a moins de 5% de nourriture. Ouais, on a donc, c'est ici qu'on peut acheter ou vendre ce dont on n'a pas besoin. Alors, en haut, est-ce qu'il y a quelque chose? Ce sont les chambres. Ici, il n'y a personne. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Il y a un coffre. On ne va pas le laisser, bien sûr. On a pris deux repas. Ce qui n'est pas trop mal, à vrai dire. Alors, il n'y a rien d'autre. On va redescendre. Si je trouve le chemin... Alors, le jeu a un petit peu de problème avec moi parce que je joue à moitié manette, à moitié souris, je vous l'avais dit. Il n'a pas l'air de trop... la démo n'a pas l'air d'aimer trop la manette, à vrai dire, pour les déplacements. Mais comment on ne peut pas rebindre les touches? C'est un petit peu compliqué. Donc, il faut qu'on aille... ben, je ne sais pas, on va suivre la flèche bleue. Apparemment, on aurait quelque chose ici, par là-bas. J'espère que notre collègue... Ah, ici, il y a un coffre. De l'argent. Toujours bon à prendre. Alors, apparemment, il y aurait quelqu'un qui veut nous parler. Bon, les bleus, c'est quête secondaire. Normalement. Je dis bien normalement. Ce serait là. Centre de recherche. Voilà, qu'est-ce qui peut me faire penser au docteur, mon époux, qui était dans My Time à Portia. Je ne te choisirai pas, toi, comme futur époux, c'est sûr. Alors, le nouveau budeur, alors c'est qui? Pourquoi ne pas être informé de cela? Pourquoi je n'ai pas été informé de cela? Un data disque. Tu peux m'expliquer? Les data disques ben, sont des types d'objets qui sont en... Alors, il nous explique, hein, c'est de la science, qui sont faits en polycarbonate, etc. Un petit peu ce qu'il y avait dans My Time à Portia, hein, au centre de recherche,
où ils nous demandent effectivement de l'ancien temps, qui appartiennent, ces disques appartiennent à l'ancien temps. Des répliques, des reliques, les data disques peuvent l'aider à créer des diaphragmes. Donc c'est exactement ce qu'on avait au niveau de nos scientifiques, je crois que c'était Sonia, et là je me rappelle plus, mais elle avait une tête assez marrante, qui nous demandait, vous savez, de leur amener des disques, etc. Donc c'est la même chose, sauf que là ce sera à qui on devra les remettre. Ok, donc on a eu 100 gold, on a pris 5 de réputation. Ok. Alors, nous avons deux objectifs, donc de quête principale en jaune à aller voir. Moi, j'ai toujours tendance à pas passer par où il faut. Ça me permet aussi de trouver des coffres. Ah, Katori. Qui est Katori? Ah, tu dois être le nouveau... c'est l'entrepreneur de la ville. Tu dois être le nouveau constructeur. Enchanté de te connaître. Je suis Katori. Je pense que nous allons travailler ensemble énormément dans le futur. Ok. Alors, elle a un complexe apparemment. On sera amené à travailler avec elle beaucoup plus tard. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça doit être le panneau, je pense, où on peut mettre des annonces. Voilà, comme on avait dans My Time at Portia. Alors, si par exemple, subscribe, place ad. Pour 100 gold, ça, tu peux acheter un avertissement. Ouais, bah, écoutez, on va tester. Ok, on va s'abonner. Confirme. Ok, on s'est abonné, on a payé pour se faire de la pub, bien que voilà, peine, lui je pense que c'est notre nouveau, comment il s'appelait, j'ai zappé, je l'avais dans notre épisode, mais là je ne me rappelle plus le nom, Higgins, voilà, c'est le nouveau Higgins. Alors, il faut que j'aille ici, oh my goodness, je suis tombée. Ah! Petite cinématique de combat avec justice. Salut Buddeur. Qu'est-ce que tu viens faire aussi loin de ton magasin? Ce n'est pas safe ici. Ce n'est pas sans danger. Pour différentes raisons, les lizards de folk sont sur le territoire. Il nous parle un petit peu, il nous explique donc qu'est-ce que c'est que ces bébêtes là qui sont revenus. Et donc il y a Logan aussi. Donc ça c'est la nouvelle milice de la ville. Ok. Fais attention. Ok. Bon bah écoutez, je ne sais pas. Il veut pas que... Non, il veut pas. C'est pas par là, de toute façon, que je dois aller. Mais bon. On va pas attaquer. On n'a pas d'armes de combat pour l'instant. On n'a qu'une pioche, une hache. On n'a pas eu de quoi se faire... Et oui, passer mon marqueur. Oh là, faut que j'aille là-bas, là-haut. Pourtant, j'ai une flèche orange par ici. Au musée. D'accord. Au musée. On va aller voir au musée vite fait. J'espère que ma collègue n'est pas en train de bien s'appliquer à construire le truc pendant que moi je me balade. C'est pas vraiment... Mais bon, le but aussi de la démo est de découvrir la ville. Donc là, c'est le forgeron. Alors, Wanted Logan, c'est partout. Hein. Ah, usure. On ne te connaît pas, toi.
Salut. Hey, je suis une sur. Le membre de la... De la... Oh, je perds mes mots. Vous savez, des défenseurs civils locales, de la garde civile, en fait. Il y a beaucoup de dangers autour de la ville. Un gang criminel envoyé par Logan. Des jigglers qui sont agressifs. Tu dois faire attention. Ok. Alors, je ne sais pas ce que tu aimes encore. Aimes-tu le sable? Sinon, j'ai de très mauvaises nouvelles pour toi. Tu m'étonnes, on est un peu au milieu. Ok, donc échappe. On a un dromadaire, là. On peut lui gauser, lui, là? Allô, Sandy. Ok, Sandy, relationship. Ça va peut-être être... Vous rappelez comme le chat et le chien, là. On va peut-être pouvoir avoir Sandy pour se déplacer. Ça serait marrant. Sur le... Bah oui, de toute façon, on l'avait vu dans le trailer qu'on va pouvoir se déplacer sur le chameau. Mais en fait, je suis pas allée jusqu'au bout de ce que je voulais faire. On pouvait vous rappeler dompter les lamas. Et on avait aussi le chat, le chien. Donc peut-être que le chameau va nous appartenir. Alors ils parlent d'un endroit, que si pour eux c'est la meilleure place, ils n'ont pas l'air trop d'accord. On parle de combat. Donc il lui propose de demander au forgeron de lui faire de nouvelles armes. Salut Builder. J'étais en train de donner un cours d'art, de prendre un cours d'art de combat avec Blade. Ça a été très bien pour moi, très cool. Alors, il dit qu'il a perdu quelque chose. Et je voudrais savoir si tu peux le construire pour lui. Bah écoutez, on va faire... oui, mais, enfin, je sais pas trop, mais oui. Très bien. Ne mets pas trop de temps. Oui, non, mais t'es mignon. Il y a beaucoup de choses à faire, quand même. On se retrouve dans ce système de My Time Apport ça, où on est pressé tout le temps par tout le monde. Je pense que tu es capable de le crafter sur ton établi. Ok. Donc, on va repartir. Non, toujours pas. C'est vers vous, si c'est par là. Peut-être récupérer. Non, on peut pas là. Ah, j'ai peut-être pas ma pioche en main. Non. Donc on va aller où on nous demande. Alors c'est tout droit. Enfin, tout droit à ma façon. Moi et mes chemins d'écolier. Ah ben zut alors. Déjà, faut que j'enlève mon checkpoint d'ici. Ben, j'ai plus à aller nulle part. Map. Mon inventaire, qui est pas mal full d'ailleurs. Mission. Donc on a le crâne à faire. Hein. Ah oui, on a deux trucs comme ça à faire aussi. Je dois ajouter de l'eau dans mon water tank à mon atelier. Et ici, je dois lui fabriquer ceci. Ok, voilà, c'est pas gagné tout ça, dites-moi. Ah, ici on a Arvio qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il vend à Arvio? Il vend un petit peu de tout, j'ai l'impression. Alors, de la nourriture, des meubles, des ingrédients, des épices. Ok.
Est-ce qu'on peut rentrer? Écoutez, moi je prends mon temps. Je préfère visiter un petit peu la ville plutôt que me ruer sur les quêtes. J'aurai bien assez le temps de faire ça quand j'aurai le jeu. 17h, j'ai déjà perdu la journée. C'est vrai que le temps passe très très vite dans ce jeu. Il y a tellement de trucs à faire, ça y est, ça commence. C'est pourtant qu'en anglais, j'ai la tête comme une pastèque de savoir tout ce que j'ai à faire. Alors ici, je pense que c'est des chevaux. Pour acheter des chevaux. Ici, je pense qu'on peut acheter de l'eau. Si je ne dis pas de bêtises, je pense. Water shop, ouais, voilà. Alors, on peut acheter effectivement de l'engrais et de l'eau. Est-ce que je peux l'acheter, ça? On en prendra. On a pas mal de sous. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? On n'a pas grand-chose, du bois. Ok. D'accord. On va aller à notre workshop. On va peut-être prendre des ressources si nous manque des choses. Alors. Ah oui, il y a le truc à 19h. J'oublie. Alors, hop, c'est où? Où c'est que c'est, s'il vous plaît? La carte, les missions. Non, les événements, s'il vous plaît. Où sont-ils? Caractère. Non, on a rencontré tous ces gens-là. Je suis un peu surprise au niveau du calendrier. Ça va peut-être être ajouté, j'espère. Alors, je ne sais pas du tout où faut que j'aille à 19h. Mon Dieu, au secours. On va parler à Mian. Elle a pas l'air de se dépêcher pour y aller. Ah, oh, elle a fini le crâne lift, elle. Elle a fait la fournasse, moi aussi. J'ai dit à Yann, qui's been bugging me, came to check my progress last time. Ok, on verra ça plus tard. Elle a fini. Mais non, elle était meilleure que moi. En même temps, hein, j'ai pas trop bossé, faut être honnête. Je sais pas, je te suis, mais on a une réunion à 19h, à ne pas oublier. Peut-être qu'elle y va d'ailleurs. Si on rate la réunion, elle va s'engueuler. Hein. Je veux pas dire, mais. T'es où, Mian? Oh, 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 oh. C'est Speedy Gonzalez. Hein. D'accord. Donc, elle s'est fait deux fournasses. Ah, c'est pas bête. Je pourrais faire deux fournasses aussi. J'ai tendance à oublier. Et tu viens pas à la réunion, Mian? C'est pas bien ça. Hop. On va aller à la réunion. Sinon, on va se faire taper sur les doigts. Hop. Tout le monde est là. Ouh. Ouh. Alors. Bah, évidemment, hein, comme dans My Time à Portia, le maire qui fait la présentation des nouveaux. Pourquoi j'ai des yeux marrons comme ça, hein? C'est... Enfin, des ronds marrons autour de mes yeux, c'est bizarre. Qui fait la présentation, bien sûr, à la communauté des nouveaux builders, c'est-à-dire Mian et moi. Donc, exactement comme dans My Time of Portia, la célébration de présentation. Voilà. Pourquoi j'en dirais que je discerne? Enfin, j'enlève ça. Merci à tout le monde. Mian dit donc merci tout le monde. Je suis vraiment très excitée de débuter ici. Je vais faire le mieux que je peux pour satisfaire Sandbox. Chirelle, est-ce que tu as quelque chose on va mettre... j'espère être un bon builder. Ok.
Allez, tout le monde. Nous avons beaucoup d'omelettes, machin. Donc, ils font un banquet pour célébrer notre arrivée et nous remercier. Donc, elle m'a donné une omelette. J'ai gagné une omelette. Ici, on peut voir tous les personnages. Alors, on a Miguel qu'on n'a pas rencontré. Miguel, c'est le pasteur. Oh, bah, je préférais le pasteur de Maritime à Portia. Ok, c'est le pasteur Miguel. Ok. Ici, qui c'est qu'on a qu'on n'a pas vu oui, Vivi. Vivi. Non. Vivi. C'est la grand-mère de Taylor. Ok. Qui c'est qu'on n'a pas vu tant qu'on a Amira. Amira, je te connais pas. Amira. C'est celle qui fait de la céramique et de la poterie. D'accord. Il y a quand même pas mal de choses. Burgess, Katori, Unser, tout cela, on les connaît. Miguel, on vient d'apprendre. Pen, on sait qui c'est. Mathilda, on connaît. Katori, on la connaît. Amira, on vient de lui parler. Alors, on va courir un petit peu plus vite pour essayer de rattraper. Mabel, on la connaît. La Ptiote, on la connaît. Owen aussi. Copper. Copper, on le connaît, il me semble. Copper. Ah non, c'est le mari. On connaît sa femme, mais on ne connaissait pas le mari. C'est celui qui s'occupe de la ferme. Ok. Bon, bah écoutez. La réunion nous a permis de connaître du monde. Alors, je crois qu'on nous fout plus marre à 23h. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors. Je pense qu'il faut que je mette de l'eau dans mon truc. Ici. Mon inventaire est full. Pas cool. Ok. Interagir. Alors ici, je peux... mettre... 5. Je suis toujours... Bon, écoute, on va tout mettre. J'ai toujours en rouge ici. Hein. Adjuste, mais je n'en ai plus. J'ai toujours en rouge. Il me faudra d'autres eaux. Mon inventaire. Ah, toi, t'es en surcharge. J'ai foutu toute l'eau là-bas. Toi, oui. Tu n'es pas content, ce qui est normal. On va te mettre... bah écoute, on va te mettre du bois. J'en ai plus. D'accord. Cancel. Alors, bah, il va falloir qu'on se fasse un stockage, un petit comment dire, un petit coffre. Cancel, non, je veux sortir. Échappe. Cancel, merci. Je peux pas te mettre plus de fuel, j'ai plus rien pour Pepper. Est-ce que je peux me faire un coffre? Parce que là, je suis full en... Alors ça, pour ça, il me faut quoi? Il me faut du bois, du copper, j'en ai deux. De la pierre, ok. Mais par contre, je voudrais un petit coffre, si c'est possible avant. Ouais, mais j'ai rien pour le faire. De l'eau. Dans les plantes ou sur les animaux. Ok. Ou alors on peut l'acheter aussi au commerce de la guilde. Ici, j'avais pas mis le truc en construction. Non. Alors, qu'est-ce qu'il voulait l'autre? Que je lui construise là. Revenons à nos moutons. Ça y est, c'est parti. C'est le bazar. Alors, on avait ça donc à construire. Ici, on a... il nous manque deux blocs. Pour faire ça, donc on va voir si on peut le faire. Non, il me faut de la pierre. Et ça, il me faut bah, de la pierre. La pierre et du bois. Donc, si on ne me met pas au plus marre avant, tout ira très bien. Hop.
Alors, j'ai du sable, hein, pas mal. Hein. En plus, mon inventaire full, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà, j'ai l'inventaire qui est full. Et je peux pas me faire de coffre. Ah, comment je vais faire? Je vais peut-être mettre les métal. Oui, je sais que mon inventaire est full. Je vais peut-être mettre le métal. Tout ce qui est métal à fondre. Par exemple, ça. Recycle. Alors, on va recycler tout. Je peux pas. Full. La queue est full. Ah oui, parce que ça marche plus. Oh. Confirme. J'ai plus de bois. Si, non. Non, j'en ai plus. Je peux peut-être te mettre. Ça te met peut-être du carburant. J'en ai deux. Tu veux pas. Bon, je peux pas faire plus apparemment. 1700 sur 1700. Ça m'aide pas à faire mon truc là. Du coup, je voudrais faire un coffre, mais je ne peux pas. Parce que je suis full. J'ai mal géré mon truc. Est-ce que je pourrais pas faire une autre fournace? Ça pourrait m'aider à aller plus vite. Hein. Un autre four. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non, je vais pas avoir ce qu'il faut. Je vais pas avoir ce qu'il faut et je ne. Il y a un petit truc dommage. Faudrait que j'achète. Faudrait que j'achète un coffre alors que je peux me le faire. Il me manque tellement de trucs. Enfin, je vais aller acheter un petit coffre, j'ai des sous. Ça y est, c'est parti. On réfléchit à fond. Encore faut-il que je retrouve le magasin. Ici le magasin. Ah ouais, il faut que j'aille dormir. Ah là 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 là. Il faut vraiment que j'achète un coffre, tant pis. Ben normalement, je suis bête, j'aurais dû le faire dès le début. Hop. Oui, je sais que mon inventaire est full. Allez, on va dodo. Confirme. Demain est un autre jour. Je vais essayer de lui refaire sa tête parce que vraiment les yeux sont pas terribles. Ça. Allez, debout. Ah ouais, bah ouais, j'ai pas fait à temps. Bah oui. Je n'ai pas fait à temps ma mission. Expire, hein, ben pourtant. Mais ouais, mais bon. Le problème étant ce maudit inventaire que je n'ai pas de place. Faut que j'essaye de trouver le marchand, là. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. J'ai acheté un coffre, tant pis. Et je prévoirai mon coup dès le départ, dès que le jeu sortira. Pourtant, dans ma état, il m'a porté sa première chose que j'ai faite. Essayer de faire mes coffres pour me stocker les trucs assez rapidement. Par contre, je ne sais plus du tout où il est. Ton, t'as pas rencontré, je ne crois pas. Jensen, le conducteur du train. D'accord. Ok. Bah écoute, exit. Je suis ravie de faire ta connaissance. Alors, où c'est que j'avais où était le magasin? Heidi, on ne connaît pas Heidi. Heidi, l'architecte. Ok. Mais comme ça, on voit un petit peu tous les persos. Alors, où est ce maudit magasin? Alors, je pourrais regarder sur la map. Alors là, c'est la couture. Ici, là. Je crois que je peux acheter ici. On sait, là. Est-ce qu'il a un coffre? Il faut que je me mette. Je peux, non. Je vais acheter un coffre, tant pis. Parce que vraiment, il faut que je. 211. Allez, on l'achète.
Oh, mon inventaire est full. Ah, je vais jeter un truc, hein, obligé. Je ne sais pas quoi. On ne sait pas ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est ceci? Il peut être échangé contre des items spéciaux, donc non. Médicinal, est-ce que je peux lui vendre? Peut-être que ça peut être bien ça de lui vendre. Est-ce que je peux te vendre quelque chose? Alors, hein? Buy all, sell. Je vais te vendre ceci. Voilà, ça fait de la place. Normalement. Qu'est-ce que c'est ceci? Il faut que je sorte de là peut-être pour voir. Inventaire. Je pense que c'est un truc d'armure. Ouais. Ben, kick to use. Ça veut pas. Peut-être dans mon caractère ici. Oui, je peux voir mes stats ici, ça j'ai bien compris. Accessoires. Ah, faut que je l'ai dans mon inventaire. Enfin, dans ma barre de raccourci. Ok. Alors, elle est où la bague? Ici. Est-ce que à ce moment-là. Est-ce que ça se met. Ah, j'ai ça. Et j'ai un. Hop. D'accord. Ah, par contre, faut que je lui arrange sa tête, la pauvre fille. Pourquoi ça a fait ça? Ça n'a pas fait ça quand j'ai. Hop, on va lui acheter ça. Mon inventaire est full encore. Comment ça? Ah oui, j'ai encore tout ça. Ça c'est quoi? Pour l'écologie. On peut peut-être lui vendre. Hein. S'il te plaît. On va regarder. Hein. Est-ce qu'on peut lui vendre? Ça fera de la place. Celle-là. Alors, on peut lui vendre. Ça, on l'a équipé. Ça, c'est quoi? Ah, ça met de la défense, ça aussi. Ok. Donc, ça, par contre, on peut lui vendre. Je vais te vendre ça. Je te vends les trois. Qu'est-ce que je peux te vendre? Ici, c'est quoi ça? Ça n'a pas l'air très important, mais avec eux, on ne sait jamais. Une plante médicinale. Ça, on peut te vendre. On trouvera. Voilà, là, j'ai de la place. Pour un coffre, quand même, on ne va pas exagérer. Hein. Donc, je voudrais t'acheter ceci. Merci. Alors, je vais pouvoir poser mon coffre. Et vider mon inventaire. J'avance pas du tout. Ça commence, il faut courir partout. Salut Sandy. Ok, elle n'est pas très bavarde, mais on a monté un point de relation avec elle. Ok. Par contre, je perds du temps sur mes quêtes. Ça, c'est sûr et certain. Ah, des briques? C'est venu d'où ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut le casser? Non. Alors, on va aller vite là-bas. Oui, je sais que mon inventaire est full, mais laisse-moi le temps de poser mon coffre. C'est quand même hallucinant cette affaire. On va le mettre comme ça. Voilà. Alors. Mais qu'est-ce que c'est tous ces trucs qu'on me donne? Arrêtez, arrêtez tout. Alors, on va pouvoir stocker. Ouf.
Alors, par contre, on va mettre ça. On va mettre ça. Ça, on peut l'équiper. Non, ça, je le reprends, s'il te plaît. Ça. On va poser tout ça, là, puisque pour l'instant, je pense pas en avoir l'utilité. Petits asticots. Pas beaucoup de bois, ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc là, on a des choses qui nous tombent dessus. Ok. Alors, peut-on faire... Il nous faut de la pierre. Ok. On a perdu le fait de pouvoir... comment dire... notre commande, là. Va s'en douter un petit peu aussi en même temps, hein. Ok. Saleté de petits trucs là. Du bois aussi, faut que j'y pense. Alors, pour couper du bois, est-ce que ça, ça va me donner du bois? Ça me donne des fibres. J'ai un petit peu de bois. Est-ce que je peux taper des cactus? Mais il me faut une plus grosse hache. Vous m'étonnez. Ils vont pas tout me donner comme ça. Hein. Alors ici, on va piocher. Hey. Ah, mais je peux taper les cactus. Je sais pas si ça va me donner... Qu'est-ce que ça me donne ces cactus? Ah, du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois. J'en ai là aussi. Ça me donne des fibres, un petit peu de bois. Non, j'ai dit change d'arme. Tu veux pas? Si. Non, c'est la pioche que je veux, pardon. Hop. Parce que ici, je peux te... Oui. Bon, j'ai presque plus de stamina. J'ai intérêt à faire gaffe. Hein. Donc, on va revenir à... On va peut-être prendre... ici... métal. Ça va pas vraiment m'être utile par la suite, oui, mais okay. Hop. On va revenir à notre atelier à Peck. On l'a pas rencontré, Peck. Bonjour, je t'ai pas changé mes pantalons aujourd'hui, je verrai ça pour demain si tu veux, hein. Après tout, c'est toi qui y a fait. Okay, qui est un mineur aussi. Ok. Et Venti, on l'a rencontré. Qui c'est qu'on n'aurait pas vu? Peck, on l'a vu. Lui, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je sais pas si c'est Banma qu'on a rencontré déjà. Non. Une employée de la... Si on la connaît, elle. Non, on ne la connaissait pas. Je la confondais avec, voilà, avec Venti qu'on connaît. Bon, alors, on va aller voir là-bas. On dirait pas, mais ma stamina n'est pas super haute.
puis-je déjà faire ceci? Ça m'arrangerait. Donc on en avait. Il m'en manquait. Ah là là. Il m'en manquait. Il m'en manquait deux. Donc j'en veux deux. Craft. Ok. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? J'en ai cinq, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme quête? Ici. Il me manque des sticks. Et pour faire des sticks... Wooden stick, combien m'en faut? Ah! Oh l'horreur! L'enfer! Combien il me faut de sticks pour faire ça? Il m'en faut deux. Deux sticks. Alors, hop, hop. Wooden stick, j'en veux deux. Craft. Voilà. Normalement, maintenant, on devrait pouvoir lui faire un. Son truc, voilà. Click the blank space pour exit. Ok. Et il nous reste bien sûr à faire le truc là, le crane lift. Alors ok, ça avec le craft metal, je ferai bien une fournaise de plus si je peux, plutôt. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais à voir. Alors, je vais aller déjà rendre les quêtes que j'ai à rendre là-bas. On en restera là-dessus pour cette partie 2. Je pense qu'on aura vu pas mal de choses. Par contre, je vais sûrement le continuer en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me retrouver en live sur la chaîne Twitch. Vous avez le lien. Allez, on va rendre à peine ce qu'il veut. Oh, merci, très bien. Ça résout tous ses problèmes. Il est content, tout va bien. J'ai une idée. Pourquoi désert dangereux. Maybe, peut-être que tu pourrais finalement... attraper le fameux Logan. Qu'est-ce qu'il m'a donné? La réputation de l'expérience et en a monté notre amitié avec lui. Il m'a laissé le bouclier. Ah ouais? Bah t'es pas si méchant en fait. Tu es pas notre Higgins local? Non, je crois pas. Higgins, ça serait pas Mian quand même. Je pense pas. Je pense pas. J'espère pas. Donc comme on a pu voir, on a maintenant comment dire, on a maintenant une arme pour nous défendre. Il faut que j'achète de l'eau aussi, à moins que je puisse moi-même en faire. Où il est? Et copper. Attendez, 45 poules, 12 frères et sœurs. Oh my god. Ok, mais... c'est quoi le problème? Sandrock, hein. Une commission. Voilà. C'est ça que je voulais te donner. Hey, hey! Très bien. Merci pour la commission. Ok. On a vraiment sale tête, hein, faut être honnête. Elle est pas belle du tout.
par contre ici on a deux combat 0, ok, social 0, workshop 0. Je sais pas trop là à quoi ça correspond. Donc on va essayer de se faire une autre, il y a cette quête à faire, une autre fournace. Je pense que ça peut être bien. Bien que je vois que tout le monde arrête de bosser. Comme d'habitude, ils vont aller au bar, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? On va poser des quartz. Confirme. De la pierre, on n'en a pas de la pierre, hein. On a déjà tout bouffé en pierre. Que je peux en trouver. On va me mettre au lit, hein. Je sens bien la chose, hein. Je sais pas trop à quoi servent ces petits asticots là. On a un bouclier, hein, pour essayer de voir, pour taper un mob. Qu'est-ce que ça fait maintenant? D'accord. Seulement tu l'attaques pas dans le bon sens. Ça ne doit pas être comme ça. Hein. Ok. Oui, bon, ben, comme on dit, hein, on retrouve... ça, c'est niveau 6. Hein. Moi, je suis niveau 5. On va essayer d'en taper un. Ça ressemble un petit peu, ça correspondrait au lama. Ça, je pense que c'est pour pêcher les petits asticots, là. Est-ce que t'es méchant, toi? Je peux pas te taper quand tu dors? Ah, si. Non, en fait, ils sont pas agressifs. C'est de la viande. Ça correspond au lama, en fait. Je pense qu'on pourra les monter, ceux-là aussi. Qu'on a eu du lait, de la viande. Mais j'ai pas eu mes pierres. Ici, peut-être, je vais pouvoir miner de la pierre. Si on ne me met pas au plus mal. Et si j'ai assez de stamina, quoi que j'ai de quoi la remonter. Mais bon, vu que c'est la fin de la journée, ce serait un petit peu dommage d'utiliser la stamina pour ça. Ok. On va aller voir si on a la pierre peut-être là. Hop. De toute façon, je pourrais pas. Non, c'est du métal scrap. Je peux pas. Ok. Bon. On va aller voir ça. On n'a plus de stamina. Hop. Alors, est-ce qu'on peut... hop là. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? J'ai beaucoup de bazar, mais pas ce qu'il va falloir. J'ai de la pierre. Hein. Hop. Du sable, je n'ai pas de sable. Stone, c'est pierre, hein, pourtant. Rock, lui, stone. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Stone throws. Alors, attendez, hop. Stone source, je ne vois pas. Ah, c'est ça, d'accord. Je ne sais pas combien il en faut, deux, je crois. Inventaire fou. Non, rends-les-moi, je te mets le lait là-dedans. Alors, le lait, on va le mettre là. Ça, on en a déjà. Le métal, là. Hop. Feu d'artifice, je sais pas trop à quoi ça sert.
On pourra le revendre, ça. Hop, des briques, des plumes. Je pense que c'est bon, hein, là. Hop. Merci. Hop là. Alors, on peut en mettre. Confirme. Ensuite, wooden stick. Ah oui, il faut que je fasse ici. Du stick. Il m'en faut deux. Craft. Merci. Alors. Confirme. Ok, ça me fait une fournaise de plus. Donc ça, ça ira plus vite pour les lingots. On va mettre d'un côté de l'autre. Évidemment. Je suis allée où je voulais. Là. Alors, eux. Est-ce qu'on peut faire des lingots? Non, on n'a pas de cuivre. Céramique bottle, ça à quoi ça? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut ajouter du carburant? Parce que là, on est mal. Je ne sais pas ce qu'on n'a pas de, Alors, qu'est-ce qu'il faut que je construise? J'ai deux fournaces, mais je ne fous rien. Alors, il faut qu'on construise donc le schéma du crane lift. Ici, c'est le processeur. Donc, on n'a pas les copper bars dans les ruines. Donc, on peut l'acheter au magasin aussi. Donc non. Alors ça, faut qu'on le fasse assemble. Ok. Donc il me faut des briques, mais des briques. Combien il m'en faut? J'en ai deux. Il m'en manque 6. 5. Alors, 2, 3. 3. Je peux avoir plus. Ah, il y en a déjà. Ben non. Craft. Je vais pas en faire plus de deux. C'est très ennuyeux. Bon, remarquez, j'ai pas d'autres pierres, vous me direz. Alors, ici, je peux faire quoi? 2 sur 4. J'ai plus de pierre, pourtant ça me dit 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre là-dedans? Des briques. Alors, des briques, 5 petits sticks. Hop. Deux. Ouais, tu peux m'en faire que 2. Ok. C'est pas grave. 2 petits sticks. Qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Des cordes. Des cordes, il m'en faut 3. 3 cordes. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Ah, peut-être pas là-dedans. J'ai pas l'impression que je puisse faire les cordes à ce niveau-là. Ça va peut-être être avec ce que je ne voulais pas faire. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien mis encore. Comment se font les cordes? Avec la work tape. Level 1. Ok. Alors, la corde... la work table. On l'a pas, la work table, hein. Que je peux la faire. Alors on écrira le processeur. Donc ça me demande du minerai et je ne peux pas. Il faudrait que j'aille miner. Voilà, c'est catastrophique. Dans la fournaise. Ah, en utilisant le metal working, d'accord.
Ok. Là, il y a tout un tas de systèmes là. On retrouve bien, hein, comme je le dis. Bon, mon personnage est vraiment particulier. Je lui ai fait une tête, la pauvre. Et je peux pas revenir en arrière. Hein. Tant pis. Elle gardera la seule tête qu'elle a. C'est pas gentil, mais. Ok. Je peux taper avec un bout de bois. Défense. Non, je préfère ça que taper avec un bout de poterie. Ça fait quoi? Défense de 4 points. Je peux le placer au musée. Et une attaque. J'ai pas de défense. Ok. Écoutez, on va en rester là. On aura fait un long deuxième épisode. Je vais continuer la démo sur Twitch en live. Tranquillement. Je n'en ferai pas plus au niveau des vidéos YouTube. Je préfère attendre sincèrement que le jeu soit sorti en version française où on a plus de compréhension, plus de facilité plutôt que chercher comme ça. En tout cas, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, de me faire vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ma taille, ma portia? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes plutôt déçu un petit peu de retrouver les mêmes mécanismes, même si ce n'est pas la même histoire, les mêmes persos? Mais c'est quand même la même chose à faire. Hein. On retrouve bien Panthéa là-dessus. En même temps, comment faire mieux que My Time à Portia? Je ne pense pas que ce soit faisable. Donc, écoutez, j'attends vos retours. Sur ce, je vous fais plein bibi, plein de zou. Et on se retrouve très vite pour une autre découverte ou pour la suite des Let's Play. Bye bye!